Coucou les amis, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un joli petit paquet ensemble. Alors il s'agit d'un jeu qui a été réalisé par Antoinette Charbonnel et qui va être en précommande bientôt sur son site pour l'aider justement à la création de ce jeu-ci. Donc c'est un jeu qui va être en autopublication comparé à ses autres jeux. Et voilà, donc je vous mets juste en dessous, en barre d'infos, la date des précommandes. Normalement, au moment où je vous poste la vidéo, c'est le moment où elle a lancé ses précommandes. Mais comme la date au moment où j'ai filmé n'était pas encore tout à fait sûre, j'ai préféré, je préfère vous mettre aussi en dessous pour être sûre. Voilà. Alors, on a un joli petit marque-page. C'est un jeu sur les animaux de pouvoir, les animaux totems. Hop. Donc c'est super joli hein, ce qu'elle nous propose au niveau de l'emballage. Waouh, c'est super. Alors c'est un jeu carré. Alors il y a un livre. Alors dans quel sens? On va regarder le livre. Allez, je vais vous montrer le livre, je le mettrai à côté, comme ça on pourra regarder après la boîte. Carnet de voyage et d'exercice spirituel, l'oracle de la présence animale et ancestrale, donc par Antoinette Charbonnel, pardon. Alors, il est en couleur, je crois, voilà, ouais, j'ai vu de la couleur, je le savais bien. Il est en couleur, il a été imprimé en France, comme le jeu d'ailleurs. On a une introduction. Qu'est-ce que la roue de médecine? Donc on a un travail en fait sur la roue de médecine qui nous est proposée par Antoinette. Les minéraux de votre choix, oracle de cristal de roche, pierre de roche. Donc vous avez la liste ici des pierres utilisées. Les cartes et leur histoire. Donc pour chaque carte, vous avez la représentation. Je me libère, je suis en paix. Son animal de référence est le minéral associé, donc la colombe, ainsi que le cristal de votre choix. Donc avec une explication. L'élixir floral associé. La récolte associée, donc ici on est avec l'olive. Donc c'est l'arbre aussi que vous pouvez associer du coup. Le soin de référence, le soin purifiant et nettoyant 100% naturel, elle vous propose de le confectionner, c'est génial, c'est super. Hein. Voilà, et à toi de créer ton soin de beauté, vous pouvez mettre pourquoi pas ici votre recette, une petite photo aussi. Donc on a ça pour tous les animaux. Ah c'est super. Et si je ne me trompe pas, c'est un... Alors, le livre qui est ici est en français et c'est le livret à l'intérieur qui doit être français-anglais. Alors, on a une boîte. Alors, vous voyez, c'est une boîte semi-rigide, comme ceci, comme je vous en avais déjà parlé. En fait, en France, on ne réalise pas des boîtes rigides. Ce sont toujours des boîtes qui sont importées, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, si on veut une fabrication 100% française, on ne peut pas avoir de boîte rigide. Donc voilà, c'est un choix d'Antoinette de faire du 100% français aussi, et c'est super. Et donc ici, vous avez une boîte qui est semi-rigide, mais une très jolie boîte aussi. Donc on a ici la petite illustration et l'oracle de la présence animale. Et ancestrale. C'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. Ah, voilà. Alors je vous le mets comme ça. Ici vous avez une gravure qui a été faite par le tonton d'Antoinette. Et chaque personne aura une gravure différente. Enfin vous aurez un animal en fait qui vous sera vraiment dédié à vous. Alors c'est très sympa que je tombe sur la chouette parce que c'est un animal qui m'accompagne. Qui m'accompagne énormément. J'ai une petite collection d'ailleurs de petites chouettes à la maison et j'ai une affection toute particulière pour cet animal là. Donc c'est très je suis très touchée d'avoir eu la chouette. C'est bien vu, c'est pas fait exprès mais c'est bien vu. Donc voilà, je vais la mettre ici. Je pense qu'elle va rester avec sur mon petit hôtel.
Alors, on a ici la carte d'Antoinette, thérapie naturelle et intuitive. Elle vous propose des guidances, des formations, de l'art-thérapie. Et on a donc le jeu qu'on va regarder ensemble. Alors, dans le jeu, vous avez un gros livret. Un gros livret parce qu'il est traduit français-anglais, en fait. Voilà, par exemple, ici, vous êtes dans la partie anglaise. Donc, voilà. Vous avez français-anglais. Vous voyez, le français, l'anglais. Le français prend toujours beaucoup plus de place que l'anglais. Alors, qu'est-ce que la roue de médecine ? On retrouve la roue de médecine, la structure, les méthodes de tirage, le tirage des esprits gardiens, la signification ensuite des cartes. Voilà, avec leur position sur la roue de médecine, la leçon de la carte, le message de la colombe. Et vous voyez que vous avez vraiment un complément également avec le petit livre qui est vendu séparément pour aller encore plus loin dans la pratique de la roue de médecine. Là, on est avec vraiment des exercices à faire, des choses à mettre en application, une roue de médecine aussi à comprendre et à intégrer dans votre vie. Voilà, alors que là, on a le message vraiment plus spécifique aussi aux cartes. On le retrouve aussi dans le grand livre, mais on va beaucoup plus loin, en fait, dans le grand livre et dans le cahier d'activité. Donc ça, c'est super. Donc vous avez ici donc la même chose pour toutes les cartes. Je regarde si à la fin, il y a un petit plus. Il doit y avoir la présentation d'Antoinette. À propos, voilà, il y a la présentation d'Antoinette. C'est très chouette. C'est une belle réalisation. Donc on va regarder maintenant les cartes. Alors vous avez ici un récapitulatif des pierres des fées, pointe de cristal, la pierre de lune, connexion. Vous avez un récapitulatif de la pierre associée et un mot-clé. Voilà. Alors là, c'est le dos des cartes. Ce sont des belles cartes vernis mat. On a ici « Je me libère, je suis en paix ». Donc ce sont des aquarelles. Oh, j'adore celle-là. « Je récolte ce que j'ai semé ». « Je vise haut et loin ». « J'apprends à écouter ma voix intérieure ». Je m'ouvre à mon destin, j'apprends à rebondir, je dompte mes élans, je m'envole vers d'autres horizons, je suis sage et solide à la fois, j'élève mes pensées, je suis astucieux et perspicace, je reste assuré et déterminé, je montre la voie, je suis fidèle à mes valeurs. Je prends de vives initiatives. Je réagis justement et avec pondération. Je construis et je m'adapte. Je me connecte à la nature. Je communique mes émotions. Je glisse vers mes profondeurs avec bienveillance. Je m'éveille et me relève. Je repousse mes limites. Je mue et m'accomplis. Je suis debout et confiant. Je tombe le masque. J'aime bien. Je me régénère. Je profite avec joie de la vie. Je réunifie les opposés. Je modifie mes perceptions. Je mets de la lumière sur mon chemin. Je développe ma créativité. Je retourne à la source. Je fais corps avec les miens. J'approfondis mes connaissances, j'observe et je prends conscience et je persévère dans mes efforts. Donc il y a 36 cartes, la petite fourmi ici, et donc il y a 36 cartes. Je sais que vous pouvez aussi vous procurer un pochon qui a été réalisé par une créatrice française aussi avec ce jeu, si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous mets les références de tout ça, la date,
le lien du site d'Antoinette pour découvrir et pour pouvoir la soutenir si ce jeu vous plaît. Donc voilà, je vous mets tout ça juste en dessous en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir pu vous faire cette présentation et de vous montrer cette très belle réalisation. C'est vraiment très, très chouette. Hop. Voilà, donc je vous mets tout ça en dessous en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.